Alors, quel va être le sujet des différents cours de lundi jusqu'au Rosh Hashanah? C'est une préparation à en fait ce qu'on fait dans les Sichot. Les Sichot, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais le principal sujet des Sichot, c'est les Shlosh Esrei Midot Avachamim. D'ailleurs, je vous donne une halakha. Si vous êtes en retard, chaque fois que le Tzibour fait Hashem Hashem, Kel Rachov Vayavor, hein, vous vous arrêtez, vous au milieu, vous arrivez directement sur Vayavor avec tout le monde. Vous ne faites pas genre, bon, lorsque j'y arriverai, je ferai. Non, non. Vous arrêtez tout et vous sautez à Vayavor et vous faites avec Hashem. Et donc, c'est une grande sourde qu'on a cette année d'avoir le temps de bien étudier qu'est-ce que c'est les Shlosh Esrei Midot HaRachamim, parce qu'on les dit beaucoup, souvent sans bien comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Donc, on va se donner le temps de bien comprendre. Et pour comprendre les Shlosh Esrei Midot HaRachamim, il faut aller voir où elles ont été révélées. Elles ont été révélées dans Kitissa, à l'occasion d'un moment très particulier, c'était la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu était très en colère. Moshe, il a essayé d'obtenir le pardon divin. Et on va voir dans les mots comment est-ce qu'il s'est pris. Vayomer Yud Moshe à Adonai, bet, Re'e ata omer elai ha'aretz Page 538, le Shlishi, ça veut dire chapitre 33, verset 12. Donc, vous avez la traduction. Moïse dit à Hachem, toi, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi, et tu as dit, je te connais nommément, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Ve'ata, imna matzati chen be'enecha, hodienina et erachecha, ve'edaacha leman emtzachen be'enecha. Et maintenant, si j'ai effectivement trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je puisse appréhender ton. Tu as trouvé grâce à mes yeux et vois que cette nation est en panne. Alors, la discussion qui est entre Hachem et Moshe est un peu mystérieuse. Voilà. C'est mystérieux ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qu'il demande Moshe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le sujet? Si je lis les mots français, je te connais nommément et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai effectivement trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies afin que je puisse appréhender ton. Tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est quoi ce charabia, franchement? Pas facile à comprendre. Alors, heureusement, la Torah orale, elle explique qu'est-ce qui se passe derrière ces mots. Et il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est l'introduction qui va donner après la réponse qui est les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. C'est pas n'importe quoi. Alors, bizarrement, on est dans un moment où Moshe capte. Kadosh Baruch Hu est dans une bonne phase où il est plutôt sympa. Il a un regard un peu. Il s'est dit, Hachem, il est. Voilà. Ce qui est très bizarre parce que c'est juste après la faute du veau d'or. Mais il a beau demander la pardon divin, il a obtenu le pardon divin. Je vous rappelle que Kadosh Baruch Hu va l'inviter à monter pour faire recevoir les deuxièmes tables. Bon, bref, Kadosh Baruch Hu a pardonné. Et à ce moment-là, Moshe, il se dit, je veux absolument avoir une sorte d'assurance vie. C'est quoi l'assurance vie de Moshe? Il veut absolument être sûr que s'il y a des bêtises, si on refait des bêtises, on ne se prenne pas à la colère d'Hachem et qu'on disparaisse du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, hein, ce que les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Le joker du peuple juif, c'est ça. Et comme je l'ai fait très souvent citer, le Rav Moshe Shapira, je le citais très souvent, sachez que lui, il est Ashkenaz, n'est-ce pas, Rav Moshe Shapira? Il allait dans un minyan séfarad, les lundis, jeudi. Parce que chez les Ashkenazim, on ne dit pas les Shlosh Esrei Midot HaRachamim, les lundis, le jeudi, ni d'ailleurs le mardi, ni le mercredi, ni d'ailleurs. Et pour pouvoir le dire, il allait dans un minyan séfarad. Donc souvent, les séfaradim disent, oh là là, c'est long chez nous, machin. Non. C'est un sprout, un mérite énorme de pouvoir dire Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Et en ce moment, avec les Sichot, c'est encore plus, on peut le dire et encore le répéter, c'est vraiment le joker du peuple juif. Pourquoi les Ashkenazim ne disent Et pas? alors, pour les Ashkenazim, ils ne disent pas, il faut demander au Rama et Et aux autres familles. pourquoi les jours de Parce Brit qu'en fait, il y Milot? a aussi, alors les jours, Les c'est, on ne dit pas le Tachanoun, on ne le jours dit pas, de... mais sinon, on le dit tous les jours, et c'est un jour très particulier, c'est un joker. Pourquoi les Ashkenazim ne disent pas? Il va falloir que tu attendes que je développe pourquoi on le dit, qu'est-ce que ça représente. Mais on va comprendre, c'est un joker, mais aussi un danger, tu vois. C'est un peu une, c'est comme une bombe atomique, tu vois. Tu faut pas que tu Une année, peu le manies d'importance. avec beaucoup de prudence. Mais les Sfaradim nous disent régulièrement,
Et mon maître, il essayait de vraiment d'y aller, d'écouter le maximum. Donc aujourd'hui, je suis Ashkenaz et quand même, ça me fait très plaisir de pouvoir dire je suis en train de dire Tachanun. Lorsque les gens se réjouissent qu'il n'y a pas le Tachanun, Voilà. moi, ça me fait de la peine parce qu'en fait, le Tachanun en plus, je fais une parenthèse, même la partie qui n'est pas les Hachem Hachem qu'elle Tachanun, elle parle clairement de la situation qu'on a aujourd'hui. Les ennemis qui nous humilient, qui nous. Combien on est humilié, comment encore cette semaine, on a vu comment ils ont été humiliés, les 6 personnes qui ont été tuées la semaine dernière, mais ils étaient dans un tout petit espace, ils ne pouvaient pas dormir tous ensemble, il fallait que chaque fois qu'il n'y en a que 2 sur 6 qui dormaient, on imagine dans quelle souffrance ils ont pu vivre pendant tous ces mois, et finalement pour être tués. Je me dis, mais comment Hachem il laisse ces réchaïm, ces sales types, ces diables, avoir une telle maîtrise sur le cas d'Israël et de se moquer de nous et d'avoir encore des exigences et de faire attendre, machin, non, on n'est pas content, on veut plus, machin. Mais de quoi on parle? C'est qui ces gens-là avec qui on négocie? Ce n'est pas des gens avec qui on doit négocier. On est humilié. On est humilié. Depuis le 7 octobre, on est humilié. Le peuple juif est humilié. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce passage de lundi-jeudi? Akadosh Baruch Hu, pour ton nom, sauve ton peuple. Voilà, etc. C'est des mots qui sont tellement parlants en cette période que je comprends pas pourquoi les gens ils sont tellement contents de sauter. Non. Au contraire, c'est le moment, il faut prier, c'est notre période, c'est notre situation. Je ferme la parenthèse. Donc il y a les choses Rivna Draramim, l'introduction. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du Vaudor, il a dit, écoute, bon, il vaut mieux que je m'éloigne. Je vais prendre un peu de distance avec le peuple. Je prends un peu de distance. Si je suis trop présent, ça risque de mal se passer. J'ai toujours cette image des parents d'adolescents. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe des adolescents. Je ne sais pas si quelqu'un ici a vécu vraiment des enfants qui ont l'adolescence. Les adolescents, en général, ils essayent de prendre une distance avec les parents. Et il y a même quelqu'un qui a donné une image. L'adolescence, c'est des portes qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Et en fait, on ne le voit pas. Il est tout le temps en train de se faufiler. Pour ne pas que ses parents soient derrière lui, il a envie de dire, allez, stop, il me lâche un peu mes parents. Maintenant, le père, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Il se rend compte que s'il est trop présent, s'il est tout le temps dans le qu'ils ont mis, il va devoir faire des remarques. Et que des fois, les remarques vont être mal prises. Donc, qu'est-ce que fait le parent intelligent? Il prend une distance. Alors, c'est vrai qu'il a un peu les boules parce qu'il se dit, mon fils, qu'est-ce qu'il regarde sur son ordinateur? Qu'est-ce qu'il se regarde sur son smartphone? Donc, d'un côté, il aimerait bien regarder. D'un autre côté, il se rend compte que s'il regarde trop, ça risque de créer un rejet chez son fils. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une certaine distance pour ne pas devoir réagir, mais en même temps, il veut savoir ce qui se passe. Mais bon, de loin. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, lorsque je suis dans le clan d'Israël, je vois des fautes, je suis obligé de réagir. Donc, je prends un peu de distance pour vous. Et Moshe, il dit non, 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 c'est pas question, tu vois, j'allais dire. Alors, pendant quelques mois, il y a eu cette distance, et finalement, Moshe, il a réussi à ramener Hachem, et dit voilà, tu restes avec nous, on n'est pas question, et Hachem a accepté de revenir. Cette période-là, Moshe lui-même s'était mis en retrait. Vous savez que lui-même, il était à l'extérieur du camp, pour pouvoir le voir, il fallait sortir, bref. Parce que comme on était rejeté par Hachem, Moshe Rabbeinu lui-même, il a montré que lui aussi était fâché. Donc, il y a eu une période difficile après la faute du Vaudor. C'est normal. Mais maintenant, on est dans une phase où ça se détend. L'Ohodatani est à terre, Tishlachimi, dans le verset 12. Tu ne m'as pas fait savoir celui que tu vas envoyer avec Noa. Et tu as dit, je te connais nommément, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc là, ça commence à se détendre. Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je te donne une place particulière. Il dit, Rashi dit, Bacher Amar Tali, Ineanochi Sholeach Malach, ce que tu m'as dit, je vais t'envoyer un ange, Enzuoda, ce n'est pas une information, chez En Ani Safetzba, je n'en veux pas de ce Malach. Je veux que ce soit toi et pas un chaliar, pas un malar qui vient à ta place. Voilà ce que Rashi rapporte. Et tu m'as bien aimé, tu m'as montré que tu m'aimais. Dans deux mots, je veux que tu reviennes pour moi, quoi. Vata imna matzatichen veenecha hodienina edrachecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes chemins.
Qu'est-ce que dit Rashi? Masra ratanoten le motzichen benetra. Il veut savoir quel est le salaire réservé à ceux qui suivent Hachem. Ve'edacha, je te connaîtrai, le man emtsachen benecha, là, il demande quelque chose de terrible, il essaie de comprendre. Racha de Tovlo, tzadik de Ralo. Il essaie de comprendre les secrets de la conduite d'Hachem avec les tzadikim et les rechaim. Il veut comprendre. Il dit, je veux comprendre, on est proches, on est copains, on va. J'ai envie de. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, attention, attention, je ne peux pas tout te révéler. Même toi, mon cher Avénon, il y a des choses qui vont rester cachées. Je vous dis ça, j'insiste là-dessus pour vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas religieux parce qu'ils disent, c'est pas juste que des femmes, des enfants soient éventrés et tués de façon aussi terrible pendant le 7 octobre. Et malheureusement, la liste, elle est longue. Les pogroms, les. Et en vérité, même Moshe Rabbeinu, a demandé à Hachem des explications en disant, mais dis-moi, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bins là? Qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe? Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais je ne t'expliquerai pas. Je ne te dis pas. C'est quoi, tu ne peux pas me dire à moi, moi je suis copain, je suis proche de toi, je suis proche. Tu m'as tout révélé. Dit, non, non, non. Tant que tu es un homme et donc tu es sur Terre, tu n'auras pas la solution et la clé de tout ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsqu'on passe de l'autre côté de la barrière, après nos 120 ans, que là, les choses s'éclaircissent. Pourquoi? Parce qu'on a une vision hors temps et hors espace. Et on voit le monde depuis la création jusqu'à la fin. Donc là, on peut comprendre pourquoi il y a eu tel et tel épisode. Et si vous n'avez pas une vision générale de l'histoire, et seulement parcellaire, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi un tel qui lui arrive ça, l'autre lui arrive autre chose, ce tzaddik il souffre, ce rachat il se kiffe à mort, ce n'est pas possible. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne l'a révélé même pas à Moshe. Alors, il a révélé beaucoup plus de choses que ce que je vous dis moi, c'est sûr, mais la fin du mot, il avait des questions, Moshe, et il est resté avec des questions. Et Hachem lui a dit, si je te révèle ça, ben finalement, tu n'es plus un homme, quoi. Tu es un malard, tu es un ange, viens me rejoindre, quoi. Être homme, c'est inhérent à notre état d'être humain de ne pas pouvoir expliquer ce sujet-là. Le tzaddik qui souffre et le rachat qui s'éclate. De ne pas avoir accès au secret de Sakhar Véronèche, le salaire et la sanction. Je sais que c'est très pénible, et je sais que c'est très dur et que ça éloigne beaucoup de gens de la religion, mais ça fait partie de la Emouna. On doit croire que tout ce qui se fait, c'est pour le bien, même si on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et ça fait partie, donc c'est vraiment de la prière, quoi, le libre arbitre. Maintenant, relisons bien. Vayomar, Pana Yelechu, Vahanichotilar. Non, c'est bon, j'ai accepté ta condition. Je n'enverrai pas d'ange, dit Rashi. Ani be'atzmi eler, dit Rashi dans le verset 14. C'est moi qui viendrai, comme panecha olchim bekarev. C'est moi qui viendrai avec ma propre présence, je serai là. Yomer elav, imen panecha olchim ataynu iza. Si t'es pas toi, ne fais pas monter d'ici, je ne bouge pas. Ou bamei yivada efo ki matzati chen be'enecha ani ve'amecha alo belechtecha imanu. Je traduis, enfin, je traduis, je lis la traduction. Il lui dit, si ta présence ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Et par quoi sera-t-il donc connu que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, si ce n'est que tu nous accompagnes, et moi et ton peuple seront distingués de tout peuple qui est sur la surface de la terre. C'est des mots, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Donc moi, je vous dis ce qu'il dit le Gaon de Vilna sur ce passage. Et je l'ai lu dans les écrits de Rav David Cohen, Rosh Yeshiva Tzevo, qui dit qu'en fait, ici, ce que Moshe demande, c'est déjà écrit dans la Gemara, ce que je dis, et il obtient, c'est que Akadosh Baruch Hu fasse résider sa Shekhina dans le peuple juif et qu'il ne le fasse résider sur aucun autre peuple. Veniflinu, nous serons différenciés de tous les hommes, serons distingués de tout peuple. Par quoi? Que la Shekhina est avec nous et avec aucun autre peuple. Ça, c'est ce que Moshe demande et obtient ici. Que d'abord, il n'y a pas de malar qui est envoyé, c'est lui-même Akadosh Baruch Hu qui va se présider, et qu'aucun autre peuple n'obtient ce type de Hanaga.
Maintenant, le fait qu'Hachem, il est tout le temps avec nous, ça coûte cher. Est-ce que vous avez compris? Il observe et il n'est pas content des fois, et ça s'entend, ça se sent, ça se ressent. Voilà. Mais c'est le demande de Moshe, parce que d'un autre côté, la Shrina est avec nous, et ça nous aide beaucoup aussi. Donc, je répète, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible, mais il faut savoir que dernièrement, on a révélé le nombre exact, presque exact, des gens qui ont pénétré sur le territoire israélien le 7 octobre. On parle de 6 000 personnes. Donc, pour 6 000 personnes tuées, 1145, c'est un chesed incroyable, sachant qu'il y a en face, il y a des personnes et que bon, l'armée était désorganisée. Mais c'est énorme, 1 000, je ne dis pas que c'est rien. Ouais, Je dis que c'est énorme, et par rapport à ce qu'il y a eu d'un côté, un terrible décret, et en même temps, un sauvetage extraordinaire. Alors après, on peut discuter, pas discuter. C'est pas, je m'en fous, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais le Maasé, ce que je veux dire, c'est que la Shrina est toujours avec nous, même si dans le moment très difficile, et même si on ne comprend pas ce qui s'est passé ce jour-là. mais souvent, dans la Gemara, on dit aussi qu'Hachem, quand il veut punir, il punit, mais il garde, il laisse toujours un petit peu. On voit plusieurs fois, Voilà. même quand il veut appauvrir quelqu'un, il l'appauvrit, mais il lui laisse toujours un petit peu. Il a toujours cette volonté Le de dire que. rachamim qui est mélangé au din. Rachamim bedin et din rachamim. Bon. Maintenant, Rabotai, le sujet de mon shiur aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, je voulais vous expliquer ce que dit le Pachaditrak sur la façon dont les shlosh esrei midot haramim fonctionnent. C'est ça, mon shiur. Pour ça, il faut que j'avance un peu. Là, je juste lis les quelques versets qui précèdent. Vous avez compris que Akadosh Baruch Hu répond à la demande de Moshe, s'installe parmi nous, fait résider sa Shekhina qui était partie suite à la faute du Vaudor et qui revient, et il dit, c'est qu'avec le peuple juif que je suis et avec aucun autre peuple. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 17. Vayomer Adonai el Moshe, gam et adavar azeh asher dibarta et ese, ki matzat achen be'enai va'edoacha be'shem. Traduction. Hachem dit à Moshe, même cette chose dont tu as parlé, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai connu nommément. Vayomer harenina et kivodecha. Alors là, Moshe, il la pousse. Il dit, montre-moi maintenant ta gloire. Vayomer ani avir kol tuvi al panecha. Vekarati beshem Adonai lefanecha, vechanoti tacher achon, verichamti tacher arachem. Vous connaissez tous cette phrase, je la traduis. Je vais faire passer toute ma bonté devant toi, et j'appellerai avec le nom d'Hachem devant toi, je montrerai la faveur quand je choisirai de montrer la faveur, et je montrerai la miséricorde quand je choisirai de montrer la miséricorde. En clair, il lui dit, d'accord, je vais te révéler certaines choses, mais le verset qui suit, Vayomer lo tu panai, tu ne pourras pas voir ma face, parce que un homme ne peut pas me voir et continuer à vivre. Je pourrais accéder à une partie de tes demandes, mais pas à toutes. Je ne pourrais pas te révéler ma figure. C'est une façon de dire. Hachem, il n'a pas de face, il n'a pas de figure. On est d'accord? Il n'a pas non plus de nuque, il n'a pas d'achat. C'est une façon de dire que je ne peux pas tout te révéler, je ne te révélerai qu'une partie. Et voilà, j'accède à ta demande partiellement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais passer devant toi à Virotobi. Donc on dit que il a été placé, Moshe, dans une grotte. Et la présence d'Hachem est passée devant lui. Hachem a mis sa paume, ça ce sont des images, pour le protéger des Malachi Chabala, des anges destructeurs qui accompagnaient cette révélation d'Hachem. Il a été protégé, et c'est à ce moment-là où il a eu une vision incroyable. Il a vu un être, je ne peux pas dire un homme, parce que c'est Hachem, un être avec un talit, comme si c'était un shaliach tzibour. Et à ce moment-là, une voix est sortie, et il a entendu les choses exprimées dans l'arabe. C'est-à-dire que ça a été une révélation spécifique. Les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, Gadol, Chomer, Hanon, c'est une révélation spécifique à Moshe après la faute du Vaudor pour qu'il ait un joker pour sauver le peuple juif par la suite sur d'autres fautes qui pourraient se faire dans l'histoire. Vous comprenez? Comment il s'est révélé à lui avant, au début, elle avait dit la sauver. Non, tu as bien compris que on parle après Matan Torah. Oui. Donc, logiquement, tout a été révélé à Matan Torah. Et là, il obtient un nouveau Matan Torah, une nouvelle révélation, un nouveau Propre à cadeau, lui. un bonus. Spécifique Il dit, pour voilà, lui. attention, là, je t'apprends quelque chose de neuf, là, un truc spécial, une fila spéciale, voilà. Donc, tu comprends, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous, il faut que tu comprennes qu'on a du mal à dire exactement les choses, parce que ce sont des mots sur des apparitions
dont on n'a aucune perception, je comprends bien. Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de talit. C'est des choses. Alors, c'est des représentations. Ce qui est vrai, c'est que Hachem, des fois, pour que l'homme puisse le percevoir, il se déguise, entre guillemets, en homme, en truc, il apparaît comme ça. Ça, il faut comprendre. D'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une matana, un don, un cadeau offert à Moshe dans ses psukim sur une fila spéciale qui est une fila hors norme, qui ne ressemble à aucune prière, qui d'ailleurs n'est même pas une prière. Et c'est ça la question que pose le Rav Yitzhak Koutner. Il dit, ce n'est pas une prière. Parce que les mots, c'est quoi? Hachem, Hachem, c'est des attributs. Ce n'est pas une prière. Vous avez vu une prière comme ça? Il y a d'autres, si, il y a d'autres attributs dans la première bracha de la Amida. On fait Anorak, Gadol, Mek. Non, mais c'est pas à ce moment-là, ce n'est pas ce qui a été révélé. C'était là. C'était là. Alors, bravo, c'est Sheva. Bravo, Sheva. Louange. C'était là. Donc, la question que pose le Rav Yitzhak Koutner, c'est qu'une tefila, normalement, c'est composée de trois éléments. Allez-y. Sheva, Tehillah, Issa, Tehillah, Louange, Sheva, louange, demande et demande et remerciement. remerciement. Allez-y. Où ça se trouve? La louange, d'accord? D'accord. La demande, non. Non, non, c'est bon. Et remerciement non plus. Donc il ne comprend pas. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas une tefila, ça. Et pourtant, Hachem se présente comme un shaliar tzibur qui prie, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est écrit le Salarta, l'Avoni, ce n'est pas partie des 13 attributs. C'est après, il y a des psukim en plus, bon, mais c'est des demandes qui viennent après, mais ce n'est pas ça la tefila. La tefila, c'est Hachem, Hachem qui a le problème. Alors, vous savez comment compter les 13? Vous savez compter les 13? Alors, par contre, Ça commence où le premier d'ailleurs? elle, non, elle, Quel? elle, Vous savez qu'il y a plusieurs comptes, hein. Il y a Rabbeinu Tam, il y a le Harizal. c'est du Ah, du côté de Mishmat Siach, d'accord. Donc c'est plutôt le Harizal celui-là. Vas-y, quel? Il faut qu'on arrive à 13, hein, vous avez compris. Quel? Et c'est quoi quel? Vous comprenez ce que c'est quel? Non, je ne comprends rien. Rachum, Chanoun, Erer, Apaïb, Erav, Chesed. T'es d'accord, tu comprends rien? Pourquoi tu comprends rien? Parce qu'en fait, il coupe le Harizal, quelque chose qui est bizarre. Erer, Apaïb. C'est quoi Erer Hapaïm en français? Longanim. Et il dit que Erer Hapaïm, c'est deux midot. C'est quoi Erer? C'est quoi Hapaïm? Je ne comprends pas. Rav Chesed, c'est quoi Rav Chesed? Et c'est quoi Emet? Emet, c'est pas sympa. Hein? Emet, c'est la vérité. C'est pas quelque chose de sympa. La C'est vraie pas vérité. Rachamim, Emet. Oui, il y Pourquoi? a plein de questions. C'est pour ça que je donnais ce chiot, parce que je me suis dit, on va prendre l'occasion. On a pas mal de semaines avant Rosh Hashanah pour bien étudier. Et Rachamim dans le détail pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Je vous dis que c'est le joker. Ben, c'est quoi notre joker? Comment il faut quoi? On le dit comme ça et ça y est, ça marche. On a l'impression qu'on l'arrête. J'ai marqué Venaké, Venaké, Sarine Torah, Loyenaké. Donc le Torah Ah, parle de tout. Naké, Loyenaké, comment J'ai on l'impression explique qu'on a Gauthier, comment on changé. explique Naké, Loyenaké, Naké. Ah, c'est C'est pour quoi, c'est le droit d'avoir Naké? nettoyer. Nettoyer. Et Et nous, Loyenaké, il ne nettoie pas. Nettoyer. Alors, tu dis, nettoie, nettoie pas. C'est quoi? Mais en C'est fait, bon. on a pris ce qu'il nous apprend. Ou partiellement. Alors, vas-y, comment ça s'explique, Rabbi Gauthier? Naké. Naké, parce que c'est les côtés positifs. Naké, Loyenaké. mais Naké qui? Ça nettoie qui? Naki, c'est Naké, quelque chose de propre. la Hein. faute. La faute. La faute. Oui, mais de qui? Parce que c'est écrit Naké, Eloyé Naké. Il fait, il nettoie, il nettoie pas, je ne comprends pas. Naké la chavine, Veloyé Naké, les nam chavine. Il nettoie ceux qui font tchouva, Veloyé Naké, mais ils ne font pas ceux qui ne font pas tchouva. Pareil, on peut demander de presser le mal ça. Pardon? Ah non, attention, alors s'arrête à Venaké. Ça Pardon? va s'arrêter avec l'accueil. Parce que c'est sympa de nettoyer Oui. HM, quoi. Il y a autre chose à faire que de faire du blanchissage et de blanchisserie, de pressing. C'est son boulot que de faire du pressing. En fait, il prend les averrotes, il les nettoie. Il dit, ah non, c'est bon, je les enlève. Le Satan en disant, mais HM, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, je nettoie, je suis là. Si. Je Il est en train de nettoyer. Mais ne rigole pas, on va voir que c'est mamache comme ça. Hein. Il nettoie. En fait, il prend sur lui, etc. Il y a toute une explication. C'est pas qu'il nettoie avec je sais pas, de l'éponge, Spontex. Voilà. Blanchiment. Oui, il y a plein de questions. On étudie les mots, vous vous dites ça, des machins. Vous voyez que c'est pas évident. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe?
La nature humaine, c'est que comme on est pris par l'habitude, on ne s'arrête plus, on ne se réfléchit plus sur des choses qui sont devenues une habitude, mais ça, on le répète, je ne sais pas combien de fois pendant cette période. Et personne ne se dit, mais on va étudier ça à fond quand même une fois. On dit, non? C'est le joker et personne ne sait comment l'expliquer. Enfin, c'est pour ça que je suis venu ces quelques semaines vous expliquer ça. Voilà le but, mes chéris. Ça, au moins, c'est clair. Donc, Le la première 13, question. oui, le 13, est-ce que le 13, ça a aussi un sens? Le 13, il y aurait eu Le 12 chiffre 13, aussi, ou ça avait. certainement, c'est pas par hasard qu'on arrive au 13. Par exemple, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot, à Torah, Nidre Shevet. Je crois que c'est par Ça, hasard ça qu'il y a revient. 13. Ouais, Karim. Les Les 13 Shloshé Ikarim. Aïkarim. Tu retrouves ça à 13. Donc, tu vas tout de suite me dire, et 13, etc. Il y a 13 tribus, en fait. Il y a 13 tribus. Si tu prends Yosef, c'est deux tribus, Ephraim et Menaché, t'as Lévi, t'as 13 tribus. Bon, bref, on va pas. La symbolique du 13, ça ne Non, vient mais pas en son pourquoi temps. je reviens à mon point de Ouais. tout à l'heure sur la première bracha de la Amida, où on voit que quand Moshe il lui commençait à faire l'éloge d'Hachem, il lui dit arrête-toi là, on n'en fait pas plus. On aurait pu dire trois. Alors, à quel agadol à Pourquoi, Gibor et voilà. à Nora, On dit effectivement, trois, c'est un après passouk 13, qui est écrit dans la Torah, voilà. Et effectivement. là, ici, on traduit aussi d'autres qualités d'Hachem, et pourtant, on en dit 13. Alors, pas vraiment. Et tu vas voir justement qu'il y en a 13 et pas plus, et qu'il n'y a que celles-là qu'on dit, et c'est celles qu'Hachem a révélées à Moshe. Elles sont de nature à faire Mais un grand pourquoi dans forcement. la Il faut Amida, comprendre comment ça finalement, fonctionne. pourquoi finalement dans la Amida, on ne les cite pas les 13 alors? Alors, dans l'Amida, justement, ça n'a pas du tout sa place, les 13. Il ne faut pas du tout les citer, tu as parfaitement raison. Parce que justement, je viens de dire que ce n'est pas une fila. Et pourtant, c'est une fila. Je dis deux choses contradictoires. Une fila, normalement, c'est comme l'Amida. Louange, demande, remerciement. Et là, c'est une louange, point final. Vous avez donné la réponse, vous avez dit que c'est un joker, donc Oui, mais on aurait on pu va la tout mettre calquer comme dans une louange. filotte. Oui, alors ce que je dis le mot joker, je n'ai pas expliqué. J'ai dit que c'est un joker, mais il faut expliquer comment il fonctionne, ce joker. Visiblement, il marche avec des slichot. Non, non, les slichot, c'est ça, que tu comprennes. Les slichot, c'est que Non, mais ce qui est autour. introduire et dire après, mais c'est le icar, c'est ça. Non, mais on aurait Mais pu le ce dire, si qui est c'est une autour, en louange, on aurait général, pu la c'est. mettre en tout dans la première voix. Enfin. Alors, pourquoi ça fonctionne en tant que tfila et comment ça fonctionne et quelle est la logique Non, de d'accord. tfila? Pourquoi est-ce qu'on a une tfila qui s'appelle la Shmoneh Esrei et on a une tfila qui s'appelle les Shlosh Esrei Midot? Bon, c'est bizarre. Comment ça fonctionne? On ne fait pas des bakashot avec. On ne fait pas de bakashot. Si nous, on ajoute après, Vesalarta, pardonne-nous. On demande à Hachem de pardonner. Ouais, mais toujours sur la sikha. Oui, tout à fait. On Alors demande que à dans Hachem le de pardonner. Shmoneh Esrei, quand on dit à Gadol Akibor, à Nora, etc., là, on fait des bakashot matériels plutôt. Exactement. Non, on va voir. Et c'est pas pour ça que le fait d'avoir la slicha mechila, c'est pas un petit détail, ça change toute ta vie, quoi, c'est tout. Rien que ça, quoi. Alors, il y a ici un mahamar du Rav Yitzhak Koutner qui est exceptionnel, extraordinaire. Il faut juste bien écouter pendant 5 minutes. Et après, on a une lumière incroyable. Mais il faut bien écouter. Si je vous demande comment la teshuva elle fonctionne, vous avez quatre lettres, quatre mots à dire. Comment la teshuva fonctionne? Comment ça marche? J'ai quelqu'un à tuer. Le prochain, il fait teshuva. Est-ce que la teshuva fonctionne? Oui. Il a tué Algodin. Allons-y. Regret. Non, je ne vous demande pas les Les comment on fait étapes. la teshuva. Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire, comment est-ce qu'une teshuva peut-elle être acceptée? Quelle est la logique? Kapara d'abord. Non, Il c'est n'y a plus la volonté de d'espace plus temps. La refaire. kapara du Parce que quand on Onesh. est resitué dans la même Il n'y a plus situation, d'espace-temps. on refait plus. Il n'y a plus d'espace-temps. Alors, qu'est-ce que dit le Ramchal? Quels sont les mots que le Ramchal utilise pour expliquer comment la teshuva fonctionne? Ce n'est pas d'ailleurs que le Ramchal. Hein, bon, je cite le Ramchal parce que je sais exactement ce qu'il écrit là-bas. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Akirat Ratson, Kakirat Maase. Ça vous dit quelque chose, cette phrase? Quatre mots. Hein. Pourtant, c'est le fonctionnement de la teshuva. Akirat Ratson, Kakirat Maase. Comment vous traduisez ça? La volonté. Déraciner Akira, La d'accord. volonté. La volonté équivaut à déraciner l'action. Pas si pas racine, le problème. Il Alors n'existe plus. Tu l'as voilà. Alors transpassé. justement, alors, il faut La côté expliquer ça. éternelle, c'est pas côté Alors, éternelle. moi, j'ai une bonne image pour expliquer ça aux gens. Les gens, lorsqu'ils m'entendent, ils disent, ah oui, ça marche, j'entends bien. Et je vais vous expliquer une très belle image. Il y a des gens qui ont fait tchouva, qui avant étaient Mechalel et Shabbat, qui aujourd'hui sont Shomrei Shabbat.
Vous en connaissez peut-être, êtes vous-même, vous êtes concerné par ça. Donc, pendant des années, une personne a transgressé Shabbat. Puis après, il décide de faire Shabbat et depuis des années, il fait Shabbat. Si maintenant je lui dis, tu sais, t'as transgressé Shabbat, il se fâche, il dit, mais attendez, là De maintenant, qui tu aujourd'hui, parles? mais De qui tu de qui parles? tu parles? C'est pas moi, C'est quoi. pas moi, c'est une Mais autre. c'était toi, j'ai des photos. Tu étais en train, un Shabbat, sur la plage, en train de fumer un cigare. J'ai Je pris la pense que photo. tu fais des photos. J'ai encore la photo. Alors là, Je l'ai pris moi-même la photo. voilà. Non, c'est pas moi qui ai pris la Là-bas. photo, mais j'ai retrouvé une photo. Alors ne me dis pas que tu as toujours été sur un Shabbat. Et ça vous fâche. Pourquoi ça vous fâche? Il parle d'une Parce que autre vous dites, personne. mais attendez, j'ai totalement changé, Je franchement, suis une par autre personne. Je rapport suis une autre personne. à une autre personne. Mais mieux que ça, si tu me dis, tu sais, Shabbat, j'ai un très bon plan ce Shabbat, juste un Shabbat, fais-moi Tournoi de plaisir, je golf de t'invite à un folie. truc de folie, à un plan de folie, je dis, mais j'ai même pas envie. Ben, d'accord? J'ai même pas envie. Ça me concerne plus, c'est plus moi. Donc vraiment, il y a Akira Tratson, on est d'accord? Et pourquoi c'est que Akira Tratson? Parce que quelque part, tu te dis, mais le Chilou Shabbat, c'est plus moi, quoi. Rapport, moi, je veux plus. Ça vous parle de cette image? Elle est très forte, cette image. Maintenant, ça, c'est comme ça que je me le suis expliqué jusqu'à tout à l'heure. Et tout à l'heure, en préparant le chiot, j'ai compris qu'en fait, le Rav Yitzhak Kouvner, il allait plus loin que ça. Il dit, toute action a pour origine une volonté, un projet, une programmation. Voilà, ça ne va pas comme ça. Il dit qu'en fait, la tchouva, c'est rentrer dans les shorachim, c'est-à-dire retrouver la racine des choses. Ne plus regarder l'acte, mais son origine. Si je regarde l'origine de l'acte, c'est la volonté de faire cet acte. Donc, je suis Mechalel Shabbat, par exemple. J'aime Shabbat, aller me faire un petit à l'Ariège, près de la plage, avec mon cigare. Bon. Ça, c'est un acte. Il a été fait, il a été filmé, même s'il faut le rappeler. Mais cet acte-là, il a été réalisé suite à un projet, à un programme et à une volonté. C'est ça. Donc, si je regarde l'acte, ben, la tchoua n'existe pas. Mais si je regarde ce qui est à l'origine de l'acte, la volonté de faire, je dis, à l'époque, je voulais être Mechalel Shabbat, aujourd'hui, je ne veux plus. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que l'acte, vous n'allez pas pouvoir l'effacer, il a existé. Mais si vous ramenez l'acte à son origine, c'est-à-dire le projet qui est à l'origine de ce Chilul Shabbat, c'est-à-dire, vous avez pris, vous avez dit, ah bon, aujourd'hui c'est Shabbat, mais pas franchement, faut aujourd'hui, je vais prendre la voiture, je vais faire amener mon steak, je vais le griller comme il faut sur. Donc, on est d'accord, vous êtes dans un projet de Triloul Shabbat. Si on regarde le projet, aujourd'hui, vous n'avez rien à voir en termes de volonté par rapport à cet acte, à part avoir cette volonté-là de l'époque. Je ne suis plus du tout volontaire pour faire un Triloul Shabbat. Mais pour ça, hein, il faut qu'on ne regarde plus l'acte, mais l'origine de l'acte. Parce que de ce point de vue-là, vous avez totalement changé. Mais l'acte ne pourra pas l'effacer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un acte. Mais si je regarde la volonté associée à cet acte, alors effectivement, j'ai totalement changé. Aucun rapport. Arrête. On n'en C'est parle pas. bizarre la structure. Voilà. Alors, je suis allé plus loin. J'ai donné une image. Après, je te donne la parole. Je donne la parole, l'image, par exemple, d'un arbre qui est planté dans le sol. Tant qu'il y a une plantation qui est, il y a des racines, il suce, il prend dans le sol des sels minéraux qui lui donnent une vie. Qu'est-ce qui se passe si au demain, je coupe? Mais au début, tu vois pas la différence au début. Ça prend du temps jusqu'à que ça sèche. Mais j'ai coupé l'alimentation. Eh bien, j'ai l'impression que chaque acte, c'est-à-dire une avéra, pour pouvoir survivre, entre guillemets, cette avéra continue à m'accompagner, malheureusement, parce que les avéras nous accompagnent, hein. On ne les voit pas, mais après 120 ans, on les voit tout de suite. Donc, les avéras nous accompagnent. Il faut qu'elles soient alimentées. Mais si j'enlève la. Si je débranche, eh bien, ma avéra, Mais bon. Tant que je suis encore dans une logique où je peux faire la avéra de nouveau, parce que je ne suis pas anti. Le Shabbat, c'est un bon exemple, parce que tout le monde ici. Je pense ceux qui sont au chômage Shabbat à ce moment aujourd'hui, ils se disent, mais jamais de ma vie, je vais être Mechalel Shabbat. Parce que vraiment, on a changé de ce point de vue-là, on est totalement anti-Chilul Shabbat. Il faudrait nous forcer pour prendre la voiture Shabbat. On vous barre. Et même dans un cas de Pikouar Nefesh, on a du mal. C'est sûr, monsieur le rabbin, que je prenne la voiture, que je passe un coup de fil pour. On a du mal. Donc on est bien dans une Akira Taratson. Mais ça veut dire que le Chilul Shabbat pour moi, s'il m'accompagnait comme ça, voilà, je vois le Chilul Shabbat qui m'accompagne.
il faut qu'il soit toujours renouvelé par une volonté d'eux. Donc même si quelqu'un ne fait pas ça tous les jours, mais il continue à avoir un lien avec le Chilou Shabbat, on ne va pas dire que le Chilou Shabbat il s'est effacé, qu'il est dégonflé, qu'il n'existe plus. Et si je suis anti, je suis totalement loin, etc., eh bien oui, il a arrêté d'exister. Parce que je regarde le Shoresh, la racine du mal, et que cette racine, elle était déracinée. Même si le mal, il a été fait, mais il n'a plus de racine, il n'a plus de source vitale. Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que on parle de l'origine, je suis en train de parler quelque chose de fondamental dans cette période. Comment fonctionne la tchouva? On peut dire que c'est un peu l'idée de lorsque quelqu'un fait une action mauvaise, Oui. enfin, il a tué quelqu'un, sous emprise de l'alcool, sous emprise de quelque chose, Qu'il qui ne a, sait pas lui-même. qu'il a, qu'il pas Mais lui-même. ça fonctionne comme ça, en fait. C'est une addiction. Voilà. C'est en fait, c'est ce que vous dites, en fait. C'est ce qu'on dit, C'est on un agit, rouage-tout, on appelle ça un voilà, rouage-tout. on agit sous emprise. Donc, on D'accord? n'est pas le même, c'est pas nous, notre volonté. C'est pas notre C'est la volonté. volonté de cette emprise, cette drogue qu'on a eue, quoi. Voilà. Maintenant, si vous êtes toujours en sous-addiction de l'alcool, je ne pourrais pas vraiment vous dire que vous êtes éloigné de cette chose, parce que vous pourrez de nouveau reprendre l'alcool. Mais si demain, l'alcool, c'est fini, C'est ça. si la drogue, c'est fini, Là, je suis responsable. là, je vous dis que vraiment, vous avez coupé avec ce que Oui, vous, c'est avec ça. votre passé. Est-ce que je considère que la teshuvah, elle est réellement complète? Que quand on est dans ce processus-là d'assèchement de la. Quand il n'y a plus le Hatson. C'est ce qu'il dit le Rambam Mefourach. Il dit que celui qui fait tchouva, c'est quoi? C'est quelqu'un, par exemple, qui a craqué avec une femme et qui se retrouve dans la même Même qui. situation, avec la même, une femme de, équivalente en beauté, en attirance, etc., dans les mêmes circonstances, et il ne faut pas. C'est qu'on voit qu'il n'a plus du tout envie. Il dit, non, c'est fini, ça y est, avant, j'aurais pu craquer, maintenant c'est fini. Voilà. C'est l'exemple que prend le Rambam, tu vois. C'est-à-dire que tu te trouves dans une même situation et que tu as montré que tu n'avais plus du tout la même attirance, tu voulais plus, que tu résistes, que tu maîtrises tes pulsions, etc. Donc, c'est les mots de Rambam. Maintenant, on est d'accord que même si on n'arrive pas à ce niveau-là de tchouva, il y a plusieurs niveaux de tchouva. Ça, c'est la tchouva parfaite. Puis il y a une tchouva un peu, voilà, un peu moins Intermédiaire. intermédiaire. Ça Vous avez suffit compris? pas. Pardon? Ça suffit pas pour être mechaper. Alors, ce n'est pas pour être mechaper totalement. Mais Rabbeinu Yonah, dans son livre Shaaré Tchouva, il compare ça à un pressing. Lorsque tu donnes au pressing un habit très sale, un nettoyage, ça enlève quand même pas mal. Mais il reste trace. Tu nettoies une deuxième fois, il y a un peu moins, etc. Donc, c'est quand même, ça vaut la peine quand même de faire un nettoyage. Donc, un kippour avec une teshuvah partielle, elle a au moins un effet d'enlever un peu la, Le voilà, gros, le gros. le gros. Ça décrase, voilà. Donc voilà, c'est une belle image aussi, celle de Rabbi Yonah. Comment faire? Donc moi, tu vois, j'ai donné une autre image pour. Moi, j'aime bien les métaphores pour bien comprendre. Imagine-toi, voilà, que parce que j'ai vu enfin, une personne qui. Je sais pas, j'ai vu ça dans cette vidéo, qu'il y avait un monsieur qui ne payait pas ses dettes. Alors, il y a une entreprise aux États-Unis qui fait la chose suivante. Une personne qui a une dette, elle gonfle il y a un employé à eux qui se déguise en panthère rose. Et là où elle voit la personne, elle l'accompagne. Il fait honte. Alors, de nouveau, ça lui fait honte en public parce que chaque fois, les gens disent, ah, c'est quoi cette série dessus? Il n'a pas payé sa dette, comme ça. Donc, là où il va, il se retrouve avec cette panthère rose. Alors, bon, c'est Excellent. bien. Pardon? C'est excellent. C'est excellent, tu connais. En tout cas, sache qu'il y a des entreprises dont le rôle, c'est le recouvrement. Mais attention, pourquoi c'est chacun? Parce qu'il faut connaître les lois pour ne pas, parce qu'il y a des choses qui sont interdites. Donc, ils savent exactement jusqu'où ils peuvent aller pour mettre une pression psychologique pour obtenir le remboursement de la dette. Donc, moi, je prends cet exemple, non pas d'une panthère rose, d'un homme qui est bon un truc, mais une panthère rose en genre en gonflable. Et moi, je suis derrière, je la tiens. Tant que je gonfle, j'ai une sorte de. Les pompes. J'ai une pompe, etc. Je pompe, je mets la pression. Il y a l'hélium qui rentre dedans. Il y a la panthère rose. Dès que j'enlève, je dis hop, ça tombe, il n'y a plus rien. Celui qui n'a fait une avéra et qui n'a plus du tout envie de la faire, c'est comme si j'avais débranché, hop, ça n'existe plus. Mais celui qui a toujours un lien avec ça, par exemple, même si aujourd'hui quelqu'un me dit, moi, je fais tchouva, du lashon hara, jamais plus j'en parle et jamais j'entends.
Moi, je sais que si moi je prends cet engagement, je risque d'être faux. Je ne suis pas ratson à 100% de me débarrasser de ça, tu vois. Et je ne sais pas si j'arriverai, etc. Donc, je ne peux pas dire que j'ai plus de ratson du tout là-dessus. Donc, j'ai l'impression que cette avéra, elle m'accompagne encore. Toutes les avérotes où j'ai écouté le Lashon Hara où j'ai dit, elles m'accompagnent parce que je ne suis pas étranger à ça. Par contre, c'est vrai que Chilul Shabbat, bon, ce n'est pas mon truc, quoi. Pas envie. Ça, vous avez compris ça ou pas? Tshuva, c'est retourner, c'est considérer non plus l'acte, mais ce qui est à l'origine de l'acte, c'est-à-dire le projet, l'envie, le lien psychologique à cet acte. Donc, considérer l'origine de l'acte, c'est ça la Teshuva, c'est rentrer dans ce monde de Tshuva. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Une fois que ça, c'est clair, je continue. Maintenant, arrive la période de truc. On dit à Kadosh Baruch Hu, on lui dit voilà, Hachem, Hachem, Kel Rachum, Vechanun, Erech Hapaim, etc. C'est magnifique. Je vous dis bien, cette perouche est extraordinaire. Je n'avais pas compris. Maintenant, je râle un peu de la découvrir que si tard. Je dis Hachem, tu sais Hachem, tu es Rachum, Vechanun. D'accord, et ça fait quoi alors? C'est quoi l'histoire de dire Vechanun? Tu as dit ça, bon. Regardez comme c'est fort. Je dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais, tu as bien montré que tu es bien Rachum Vechanun, tu es d'accord? Oui, je suis Rachum Vechanun. Donc moi, j'ai envie de voir Rachum Vechanun s'appliquer, quoi. C'est quoi tu dis qu'il est Rachum Vechanun, mais il faut le montrer. Pas juste, Pas des paroles à l'acte. pas des paroles, il faut passer à l'acte. Bon. Donc, je fais des shvachim. T'es Rachum, t'es Chanun, t'es Rachapay. C'est pas gratuit. Je dis, n'est-ce pas que c'est ça ta nature? Ah oui, c'est ma nature. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de me juger durement, etc. Alors que tu es Rachum Vechanun. C'est-à-dire, le fait de rappeler cette qualité, c'est un peu comme si vous avez cité les qualités d'une personne. On la met au défi. Qu'est-ce que vous la mettez en fait au défi? Parce que la personne dit, ah oui, c'est vrai, je suis comme ça, c'est ma nature, c'est vrai, t'as raison. C'est double injonction, en fait. C'est en fait forcer la main à Kadosh Baruch Hu de révéler cet aspect de sa personnalité. Sa personnalité, ce n'est pas le bon mot, mais c'est un aspect Ça m'est bien. de se révéler. Bah, de Je sais pas, ça m'est bien. montrer, Non, non, ça m'est montre-le. C'est ce qui a conditionné la création du monde, censé être la création. voilà. De la Alors, sachez qu'effectivement, le Maharsha, il dit qu'il a pris un habit lorsqu'il a fait ses Shlosh Esrim d'Avraham, le même habit qu'il a utilisé pour la création du monde. Je vous montrerai le Maharsha, c'est extraordinaire ce Maharsha. Il fait un lien, effectivement, que vous faites entre la création du monde et le Shlosh. Parce qu'effectivement, le fait même de créer le monde, c'est une volonté de Rachum, Vechanun, etc. Parce qu'en fait, c'est une volonté de Chesed, c'est ça que ça veut dire. Donc, lorsque vous répétez ça et que vous dites, Hachem, j'ai envie de voir l'expression de ça. Hachem, quelque part, il est forcé, entre guillemets, il se met dans une situation, il est forcé de montrer qu'il fait ça, de montrer qu'il est capable de faire ça. Vous savez, vous faites ça exactement lorsque vous parlez à quelqu'un, un banquier, et vous voulez absolument qu'il vous fasse n'importe quelle personne que vous sollicitez. Comment vous faites pour le faire craquer? Vous lui dites, mais écoutez, monsieur, j'ai entendu dire sur vous, vous êtes tellement miséricordieux, tellement généreux, tellement. Il est tellement. Vous insistez tellement lourdement sur sa générosité, sa capacité de passer outre, etc., qu'à la fin, il dit il est finalement obligé de prouver, de montrer qu'il est comme ça et de le mettre en application. Sinon c'est une négation de tout ce que je dis. T'as raison, c'est vrai, je suis comme ça. Finalement, vous l'avez enfermé, quoi. Vous le bloquez en le mettant dans cette. Alors, Kadosh Baruch Hu, si vous allez dire, bon, attends, à qui on parle? On parle du roi des rois, Il n'est Melech pas dupe, Malkhamdachim, pas un c'est pas banquier. un gosse, c'est pas un banquier, c'est pas un machin. Oui, mais vous avez compris quelque chose. Je vous dis quelque chose. Vous dites à Hachem, ne me déçois pas. Alors, écoutez bien ce que je veux dire, parce que là, c'est le point fondamental. Si vous êtes conscient de la gravité de la faute et de la punition que vous mériteriez, mais il faut être conscient aussi. Et que vous dites à Kadosh Baruch Hu, t'es Rachum Vechanun, ça veut dire que vous dites quoi? Vous dites, si tu me pardonnes alors que je suis conscient de la gravité de mon acte, quelque part, Hachem est obligé de le révéler, de le mettre en pratique, parce que sinon, je vais être déçu, je vais plus retrouver ton Rachum Vechanun. J'ai besoin de voir l'expression de ce Rachum Vechanun.
Parce que je suis conscient que j'ai besoin de ce Rahamrachanun. Mais si tu ne me le montres pas, eh bien, ta révélation de Rahamrachanun va être voilà, réduite. Elle ne va pas pouvoir se mettre en application. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est un joker. Parce qu'en invoquant ces qualités-là, je vais être obligé de les mettre en application, à condition que vous ressentiez vraiment que c'est Rahamrachanun. Parce que si vous ne ressentez pas que c'est Rahamrachanun, dites, ouais, bon, dis ça, vous n'êtes pas conscient de la gravité de votre faute, bah, je ne vais pas mettre en place Rahamrachanun parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai besoin d'être Rahamrachanun pour vous pardonner. Parce que vous pensez que ce n'est pas grave ce que vous avez fait, machin. Donc vous n'allez pas vraiment comprendre ce que c'est Rahamrachanun. Parce que vous pensez qu'en fait, vous ne méritez pas du tout tout ça. Donc, si vous êtes conscient que vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner, alors le Rahamrachanun va prendre une expression d'un niveau extraordinaire qui justifiera qu'Akadosh Baruch Hu l'utilise pour vous montrer combien il est Rahamrachanun. Pour montrer au monde qu'on est Rahamrachanun. Finalement, on revient à l'origine de notre ratson Voilà. et on revient pour ça à l'origine du ratson de la volonté. Alors, pour créer le monde, Voilà. tu as eu ce ratson-là, et voilà mon ratson-mousse. Je le mets Voilà. en parallèle, en fait. Voilà, C'est exactement. incroyable. Ça, c'est Comme on génial. retrouve au niveau du Ratson, le Ratson premier Incroyable. d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? C'était pas de punir. Après, il a fait le monde. Pour du chesed, Olam chesed ibané. Donc on lui dit, regardons tout au niveau de l'origine. Et donc on est obligé, on force Akadosh Baruch Hu quelque part à pardonner. C'est une classe, c'est Avitzra Gonen. Je vous dis un début d'une réflexion, mais il faut savoir que c'est très profond. Lui-même, à la fin, il dit Yishma Chacham. Yosef Lekar qui en koach ba kulmus le farech yoter. Point final. Il dit, je ne peux pas C'est expliquer là. plus, mais en fait, c'est un sot de Kabbalah qui est niflamod, qu'il vulgarise en fait. Mais je suis toujours déçu que les gens ne se posent pas ce genre de questions et n'ont pas le temps pour réfléchir à ces sujets. Au moins réfléchir, essayer de réfléchir au système, comment ça fonctionne, tout ça. On se jette dans les slichot et la période de Rosh Hashanah Kippour en parlant que les fautes, j'ai fait une faute, j'ai pas fait de faute, mais sans réfléchir au joker qu'Hachem nous a donné pour s'en sortir. Et vous savez d'où l'origine de tout ça? C'est que malheureusement, le vrai sujet, le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à ressentir la gravité de ce qu'on a fait. On pense c'est pas grave, on est des gens bien, finalement, on fait Shabbat, on mange kasher. On ne fait pas des grosses bêtises, on n'est pas en train d'aller avec la femme du prochain et je ne sais quelle débauche, on n'est pas comme ça y est. Donc on est des gens bien finalement. Allez, arrête, monsieur le rabbin, ça suffit de nous mettre la rasra et de nous dire qu'on a fauté, qu'on mérite ceci, qu'on mérite cela. Donc on minimise les fautes qu'on a commises parce que vous savez très bien que là-bas, on juge en fonction de chacun. C'est pas, on ne juge pas Ariel Gué de la même façon qu'on juge quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est pas du tout les mêmes exigences, les mêmes attentes. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui a conscience de tout ce que je dis, on ne demande pas la même chose que quelqu'un qui n'a rien, aucune conscience. Donc c'est pour ça qu'on se rend pas, on a envie, nous, de se dire, ouais, on est bien mieux que les autres, bien mieux que celui-là, même celui-là, on est bien mieux. Oui, c'est un peu notre façon de vivre. Donc finalement, on se dit, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Donc le Rachum Bechanoun, franchement, c'est pour les autres, quoi. Soit Rachum Bechanoun pour celui-là, celui-là, celle-là. Et nous, on n'utilise pas le Rachum Vechanoun comme il faudrait. Par manque de compréhension de ce que c'est le Rachum Vechanoun et combien on en a besoin. C'est la façon d'utiliser, parce que moi, on a compris. Ouais. C'est quoi la bonne utilisation? C'est très C'est simple. À Kavana, partir du c'est. moment, à partir du moment, et c'est le sujet des cours qui vont suivre, tu comprends? Mais j'ai donné ici simplement l'introduction à des cours. Mais l'idée, c'était générale, c'est de dire d'abord, comprendre qu'on a besoin de Rachum Vechanoun. On a besoin de Rachum Vechanoun. C'est quelque chose de vital. Et que lorsque on passe une bonne année et qu'on a passé plusieurs bonnes années, on ne doit pas dire, bon, c'est normal, j'aime bien finalement. Maintenant, Trina, Hachem m'a fait un cadeau. Voilà. Hachem m'a fait un cadeau. On ne se rend pas compte en fait de ce qu'on vit parce qu'on n'est pas conscient des trucs. Moi, par exemple, j'ai une nièce qui a malheureusement découvert un tumeur dans le cerveau. Une jeune femme de 30 ans. C'est ce que je veux dire, c'est des choses qui. On a l'impression que la vie, elle est normale, être en bonne santé, c'est normal, tout va bien, c'est normal. Et tout d'un coup, tu vois des choses, tu dis, voilà, c'est pas.
Rien n'est facile, rien n'est normal, rien n'est évident, rien n'est gagné, rien n'est cadeau. Et surtout, ne pas se comparer à ceux qui ne savent rien, qui n'auraient pas le même. Akadosh Baruch Hu, la Bechira n'est pas la même pour Ariel Gay, c'est sûr que pour niveau, niveau, chacun son, en fonction de son niveau et la Bechira. Donc, j'ai besoin de Rachum Vechanun. Et je dis à Akadosh Baruch Hu, si tu es Merachem Alay, l'image que j'ai de ton Rachum Vechanun va grandir encore. Je veux dire, mais comment il est Merachem, comment il est Vechanun. Voilà l'idée. Alors, c'est l'idée générale, mais après, il va falloir que longuement on explique plein de choses. Et ça, c'est une première partie. Ça, c'était le Parchat Yitzhak, que je vous invite à regarder ceux qui veulent le lire dans le Mahamar, Lamed Dalet sur Yom Kippour. Et là, commence un deuxième passage, le travail que nous allons faire maintenant. C'est Vayomer Adonai, Inema Komiti Venitzavta Latso. Je suis dans le verset 21. Puis après le verset 22, Vaya Ba'avor Kevodi, Vesamticha Venikrat Atso, Vesakoti Chapi Alecha Adovri. Vasiroti et kapi veraita et achorai ou panai lo yeraou, je traduis. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Hachem dit, voici, il y a une place auprès de moi, tu pourras te tenir sur le rocher. Lorsque passera ma gloire, je te placerai dans une crevasse du rocher, je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu verras mon arrière, mais ma face ne pourra être vue. Voilà le passage qui précède les choses estrévides dans ta famille. Les choses écrites dans Tacharim sont écrites dans quelques versets, trois versets, trois, quatre versets qu'on va étudier. Alors, j'ai devant moi un livre qui s'appelle le Siftei Chaim, qui a été en fait écrit par les élèves, les élèves et les enfants du Rav Chaim Frinader. Et lui, il rapporte des Mahamarim, des paroles de nos sages, qui vont compléter ce que j'ai dit et développer d'autres éléments. Et en particulier, il y a le Nefesh HaChaim qui est cité, le Tikkun HaZohar, etc., etc. Alors, je vous explique. Un deuxième point. Ach en zedai shirak nakir et amidot venazkiran bitfila. Ça ne suffit pas simplement que nous connaissions les midot d'Hachem et qu'on les cite dans la tfila. El aleinu gam lidbok velalechet bahem. Nous devons y attacher et les suivre. Vezui mashmaut amuka bedivrei hagmara. Écoutez bien, écoutez. Rosh Hashanah, daf yud zayin amud bet, melamed shenitatef hakadosh baruch hu keshaliach tzibur ve'eralo lemoshe seder tefila. Hakadosh baruch hu s'est enveloppé un talit comme un shaliach tzibour, et il a montré à Moshe le seder atfila, comment prier atfila, ou mevaher à maharsha, nitatef à kadosh baruch hu beoto talit levana, shenitatef bebriato shel olam, shalov neemar ote or kasalma, shemavik misof a olam veatsofo. Le même talit qui est blanc, qu'il a utilisé lorsqu'il a créé le monde, ote or kasalma, salma c'est un habit, et qui était plein de lumière. Et le Midrash Rabbah dit, Mehecha nivret haora, d'où était créée la lumière? Amalem lamet shinitatef ba akadosh baruch hu kesalma. Akadosh baruch hu s'est enveloppé de la lumière comme une habit. Vivik ziv hadaro misof haolam ve'atsofo. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est une lumière. Alors, c'est des choses bizarres. C'est pas si histoire. Les midot d'Hachem, c'est son levouche, c'est son habit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois qu'en fait, il ne faut pas simplement lire les choses qui sont écrites dans Rachamim, mais il faut savoir que c'est pour nous une feuille de route qui doit nous inspirer dans des actes. Ça veut dire que quelqu'un qui lit les choses qui sont écrites dans Rachamim, juste après, il devrait se dire, bon, je viens de dire que Hachem Rachum Vechanun, mais moi, dans un acte précis, concret, je dois montrer aussi que je suis Rachum Vechanun. Et si lorsque je suis dans les actes, je ne fais pas du tout Rachum Vechanun, je suis très cruel, Hachem me dit, mais attendez, tu as cité mes midot. Mais pourquoi tu les as cités? Pour les suivre. Si tu ne les suis pas, les choses sont dans ta rémunération, elles ne servent à rien. T'as compris ou pas? On a vu par exemple le Klal Israël, comment il est Merachem.
ces derniers mois, ils ont soigné des terroristes. Ils sont allés sauver un bédouin. Ils n'ont pas du tout la même attitude qu'ont les Hamas avec nos soldats, avec nos prisonniers. Il y a un respect. Alors, je ne dis pas que c'est le grand luxe hein, dans les prisons israéliennes. Lorsqu'on est un terroriste du Hamas, je ne sais pas si c'est la grand luxe, mais en tout cas, il y a un minimum de respect, un minimum de, voilà, de tenue. Pourquoi? Parce que le peuple juif est Merachem. Rachmanim, Baishanim et Gomlé Chassadim. Mais si quelqu'un n'est pas du tout Merachem, il lit les Shloshet Esrim d'Ota Rachamim, je lui dis, bon, mais c'est gentil, mais quel rapport entre toi et moi? Et là, je vais aborder un sujet que je vais développer la prochaine fois, parce que le temps est bientôt fini. C'est ce qu'on appelle l'association les Choutroutes. En fait, les Shloshet Esrim d'Ota Rachamim sont en fait une invitation qu'Hachem nous donne à être, nous sur Terre, nous devrions être des exemples qui incarnent Rachum v'Chanun d'Akadosh Baruch. Et si nous sur Terre on incarne ces midot, Akadosh Baruch dit bon, alors ça vous êtes bien, mais vous êtes mes collaborateurs. Et vous êtes mes collaborateurs, vous faites ce que moi je fais. On est bien dans la même direction, on travaille dans la même direction. Dans ce cas-là, votre invocation des Rachum v'Chanun, ça me parle et j'efface les fautes. Mais si vous n'êtes absolument pas en phase avec Hachem Hachem Kel Rachum v'Chanun, bah, aucune chance, ça marche. C'est en fait une façon de nous dire, voilà notre référence, voilà ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, et nous, on va faire la même chose. Le Chafetz Chaim me dit d'une autre façon, il dit, ça s'appelle Mida Keneged Mida. Si nous, on est Merachem sur les gens, à Kadosh Baruch Hu, il va nous juger favorablement, parce que nous, on juge les autres favorablement. Ça se vérifie dans les vers de mer. Voilà, nous sommes différents de tous les peuples. Et vous remarquez quelque chose d'extraordinaire qui se passe depuis quelques mois, c'est que les Oumot HaOlam, les peuples du monde, exigent de nous un niveau de moralité qu'ils ne demandent à personne d'autre sur Terre. Et même pas eux-mêmes. Eux, ils le font par antisémitisme, par tout ce que vous voulez. Mais nous, on doit entendre qu'Hachem nous dit, non, non, vous avez un statut spécial. Veniflino, Aniva, vous êtes différents de tous. On attend de vous des choses qu'on attend de personne. On exige de vous des choses qu'on exige de personne. Et dans quel domaine on exige-vous? Vous avez tué des enfants innocents palestiniens. Mais on a fait parce qu'il y avait un terroriste, il y avait des terroristes, et qu'ils utilisent des boucliers humains. On va faire quoi alors? On ne les tue pas alors que ce sont les chefs des terroristes. Non, on exige de vous ce qu'on exige de personne d'autre. De Dieu en fait. Voilà, exact. C'est ça la représentation. Vous êtes Hachem, Hachem, Kel Rachum v'Chanun, vous êtes en phase avec lui, vous êtes ses représentants. Vous voulez être ses représentants, ben, il va falloir mettre la barre très haut. Vous comprenez ça ou pas? D'accord. C'est la même. Pardon? C'est la même. Oui, mais parce que nous, on revendique un chesed, une générosité, qui n'est pas normale, qui va au-delà d'un normal, mais qui se justifie parce que comme lui, Hachem, il veut égaler des trésors de Rachum v'Chanun, sinon on est ses collaborateurs, il dit d'accord, banco. Mais si on n'est pas ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que lui fait, il nous dit non, c'est bon, vous êtes hors jeu. C'est incroyable de voir ça, parce que c'est devant nous depuis quelques mois. Quoi. Moi, déjà, les gens, ils prennent toujours au premier degré, ils s'énervent, disant là, et pourquoi ils exigent de nous, deux poids, deux mesures. Ils ne retiennent que ce point-là qui les fait mal, parce que c'est injuste. Et moi, j'entends, hein, au contraire, une distinction, j'entends que le monde attend de nous quelque chose qu'il attend de personne d'autre. Et ce n'est pas le monde, c'est Hachem qui met dans leur tête cette folie. Et moi, j'entends ça comme une distinction, on n'est pas les mêmes. On attend de nous des choses très élevées. On a un niveau différent. Qu'est-ce que je veux dire? On peut regarder les choses comme ça, on peut regarder les choses autrement. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Pour terminer, Rabotai, je vous ai dit que c'est une série de cours et il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à écouter les autres shiurim pour qu'on ait la tmonash lema entière. Mais sachez que le mot Hachem, Hachem,
il y a des chitotes qui disent que c'est des midot rachamim. Elles font qu'on partie des trois choses des midot rachamim. Hachem, le deuxième Hachem, c'est. On dit deux fois Hachem. C'est choquant de dire deux fois Hachem, non? A le droit de répéter deux fois le nom d'Hachem. C'est interdit, ça. Si vous dites Hachem deux fois, c'est à sourd, non? Et là, on dit deux fois, l'un après l'autre. Et plein de fois, on le répète, ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un trait au milieu, on dit qu'il faut faire un trait d'Hachem. Alors, explique-moi pourquoi il y a deux fois Yud-Kevav. Pas sûr. Oui, c'est pas sûr, hein. Explique-nous. Pourquoi deux fois Yud-Kevav? Alors, il y a un Rashi, il va falloir le expliquer. Hachem, l'ifnei shechata, avant la faute. Et Hachem, c'est une fête après la faute, Veshav et qu'il a fait le choix. En clair, explique, nous explique dans le Rashi, c'est qu'en fait, on a créé un nouveau système qui s'appelle le monde de la Shoah. Un monde nouveau. Un système nouveau. Parce que normalement, après une faute, on devrait disparaître. Après le veau d'or, on aurait dû disparaître. Et Hachem, il a créé un sous-système, tout un monde qui s'appelle le monde de la Tchouva. Les louchot chniot, les louchot de la Tchouva. Et ça, Bézat Hachem, on expliquera Bézat Hachem Yéder, un Alors, prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne voilà, soirée. monsieur, alors là, vous êtes 6 à ne pas avoir pris Hervé. Allez, à te demander à quatre de. Voilà, donc est-ce que. Moi, je reste, parce que déjà. Est-ce qu'il y en a. Trois autres. T'as pas fait Hervé, toi? Oui, non, Le non, respect mais toi, t'as fait aussi. Hervé ou pas? Alors, donc ça fait Alors, le respect 6. aussi. Alors, ça fait 3 et encore. Voilà, 4, on est 4. Donc. David, Adonai, Rimishimimi, Adonai, Maskanini, Altastère, par